Et mon frère venait à chaque fois pour dire, mais tu joues au piano, toi, si tu fais des programmations, mais j'ai des mamans qui chantent bien. Est-ce qu'on ne peut pas les aider? C'est comme ça que par la grâce de Dieu, nous avions auditionné les mamans et nous avions réalisé que les mamans chantaient bien. C'est comme ça que nous les avons accompagnées. Alléluia. Pour un temps. Et pendant la crise de 2011, notre maman, la deuxième, nous a laissés. Et c'est l'autre qui suivait l'album. Amen. Et elle a fait de son mieux pour suivre l'album jusqu'à ce que tous, nous passions une pause. Et à chaque fois que le mandaté me retrouvait en studio, pendant que je jouais l'instrument, il commence à chanter là-dessus. Il commence à prêcher là-dessus. J'ai dit, toi, tu commences à m'embrouiller, tu commences à m'énerver. Chaque fois que je suis concentré en train de travailler, tu vas venir forcément chanter quelque chose sur la mélodie que je suis en train de créer. Amen. Amen. Et c'est comme ça, je crois, 2, 3 ans après, il a fait la rencontre de son frère qui est louange de l'Éternel. On peut ovationner. Alléluia. Lui, il était fort, il était préparé. Amen. Et les deux sont venus à mon studio. Il dit, voilà, je vais te présenter mon frère. Il sait chanter. Il dit, ouais, j'ai affaire à des gens aujourd'hui. Hein. Lui, il m'a envoyé aussi aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui chante, qui sait chanter. Il les a écoutés, j'ai dit, d'accord. Comme le médecin dit jamais à un patient, on dirait que je ne peux rien pour ta situation, il fera ses efforts, n'est-ce pas, pour lui apporter la guérison. On va voir ce que Dieu va faire avec vous. Alléluia. C'est comme ça que nous sommes rentrés en studio. Et c'est comme ça que Jésus a commencé sa carrière avec la compagnie Louange de l'Éternel, qui est une compagnie de chants, amen, et de danseurs. Alléluia. Tout à l'heure, vous aviez remarqué, toute la compagnie n'est pas là. C'est au moins 5 danseurs quand même qui m'accompagnent le serviteur. Et c'est comme ça que nous avions commencé. Et Jésus a commencé à être sur la scène de la musique chrétienne, amen, avec son binôme Louange de l'Éternel. Alléluia. Arrivé à un moment, vous savez, Jésus me mandaté, il a un style particulier. Amen. Moi-même, son style, même, je ne comprends pas. Et je ne maîtrise pas. Mais j'ai juste béni Dieu pour la grâce, la capacité qu'il m'a donnée de l'écouter et puis de pouvoir jouer et d'enregistrer cette chanson. Parce que le mandaté, non, tu ne peux pas. Je lui ai dit, tu n'as cette tête, certes, les gens diront, non, il n'a pas une belle voix. Mais tu as reçu quelque chose pour véhiculer le message de Dieu. Alléluia. Vous allez le remarquer, je sais que les églises, puis les passés, vous l'avez certainement remarqué. Alléluia. Ce n'est pas une voix du genre, et je lui ai bon, il est merveilleux. Non. Mais de façon, comment je peux dire ça? Alléluia. Il y a quelque chose en lui, en fait. Alléluia. Et c'est un moyen pour lui de véhiculer le message de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi ce soir, je veux prier que Dieu nous met à la disposition de l'accompagner dans cette mission. Amen. Nous sommes venus ici pour soutenir la mission que Dieu lui a confiée. Alléluia. Nous ne sommes pas juste venus regarder le mandat et après nous allons prendre nos cliquets-claques et retourner à la maison. Nous qui sommes autour de lui, nous avions fait notre premier pas déjà. Alléluia. De l'accompagner dans ce à quoi le Seigneur l'appelle. Alléluia. Et je veux croire que tu es là ce soir. Amen, amen. Pour l'aider. Amen. À accomplir cette mission. Amen, à laquelle Dieu l'a appelé. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voilà, c'est pourquoi après avoir exécuté des pas de danse, ne va pas sans donner ton soutien au mandaté. Amen. Amen. Ne va pas sans donner ton soutien au mandaté. Vous savez, au bout des concerts, il y a des artistes qui ont eu des producteurs. Le mandaté n'a pas encore un producteur. Amen. Il se débat par ses maigres moyens pour essayer de faire ce que lui a mis à cœur, Dieu lui a mis à cœur. Amen, amen. Mais je veux croire qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, ici en ce lieu, qui va donner un clip, qui va donner une promotion, un tapage médiatique au mandaté. Il y a quoi le Seigneur pour cela? Alléluia. Je veux croire qu'on sortit de ce conseil, mandaté est un producteur. Alléluia. Je veux vraiment croire en cela. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes capables ici. Alléluia. Or, tu n'apprends pas cela parce qu'on dirait que ça te gêne un peu.